Plus d'une vingtaine de présumés fraudeurs ont été arrêtés ce matin un petit peu partout au Québec. Ils seraient liés à un important réseau de criminels qui s'en prennent à des personnes vulnérables en se faisant passer pour des représentants bancaires. Un gros coup de filet de plusieurs corps policiers. Andy Saint-André. Quand plus de 250 policiers et civils sont mobilisés pour une opération, c'est le signe d'une affaire de grande envergure. C'est exactement ce qui se passe jeudi matin où un coup sévère est porté à un important réseau présumé de fraudeurs. Allô Est-ce qu'on peut se parler plus d'une vingtaine de perquisitions sont effectuées à divers endroits, principalement au Québec, notamment ici à Laval. Les secteurs de Sherbrooke, Brossard, Montréal, Saint-Canute, Saint-Laurentide, Joliette, Terrebonne et Sainte-Thérèse sont aussi ciblés. Il y a également de l'activité dans la région de Toronto. La fraude de type faux représentant consiste à appeler des aînés en se faisant passer pour un, une employée d'une institution financière. La personne au bout du fil prétend avoir détecté une fraude au compte bancaire de la victime et demande de remettre leurs cartes et leur NIP. Un complice vient ensuite récupérer les cartes, puis les arnaqueurs sans scrupule, retirent de l'argent ou font des achats. Le but principal, c'est vraiment de recueillir de la preuve dans des perquisitions. Malheureusement, je dois vous aviser que vos cartes ont été clonées. C'est la raison de notre appel aujourd'hui. Donc ici, monsieur, avez-vous une enveloppe blanche ou brune à la maison? L'hiver dernier, l'émission JE levait le voile sur cette escroquerie très répandue dans la province. Je vais vous envoyer à l'instant même un de nos facteurs privés le plus près de votre domicile pour venir récupérer cette enveloppe et la porter à nos enquêteurs. Le collègue Denis Thériault montrait à quel point les fraudeurs sont nombreux et prêts à tout pour arnaquer des personnes âgées. Quand on ne connaît pas le numéro sur l'afficheur, et même si on connaît le nom de notre institution financière, c'est à revalider. Donc, on raccroche, on peut appeler son institution financière. Dans le cas qui nous occupe, 28 individus sont arrêtés ou rencontrés par les enquêteurs. Plusieurs sont soupçonnés d'être les principaux acteurs d'un réseau responsable de plus de 140 000 appels frauduleux au Québec et ailleurs au Canada. Des centaines de milliers de dollars auraient été dérobés, voire plus d'un million de dollars. La SQ, le SPVM, le SPAL et le Service de police de Toronto sont impliqués. L'enquête s'est amorcée à l'automne 2023. C'est des dossiers qu'on prend très au sérieux. Andy Saint-André, TVA Nouvelles, Montréal.